Coucou les Gémeaux, aujourd'hui on va faire votre signe, donc l'horoscope 2023, avril 2023 pour vous, avec l'oracle Versailles débutant que tu peux trouver en téléchargement sur mon site. Si tu veux apprendre la carte Mansi, c'est un oracle qui est assez facile et tu peux le télécharger en format JPEG ou PDF. Donc là j'ai préparé l'état, tu as un premier paquet là, qui représente donc le travail, second paquet qui représente la vie quotidienne, la famille, celui-ci représentera donc les amours, les sentiments envers une personne ou la famille, et une carte que je sors qui va représenter ta surprise, ce que t'envoie l'univers. Donc on y va pour les Gémeaux. Donc au niveau du travail, nous avons la guillotine, la montgolfière et la négociation. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va être tranché avec la guillotine. La guillotine, elle ne pardonne pas, elle tranche quelque chose. La montgolfière, ça peut être éventuellement un changement professionnel, quelque chose que tu veux bouger, tu veux t'en aller, tu veux aller voir autre part ce qui se passe. Et il y a des négociations en cours. Donc là, ou bien tu penses, si tu travailles pour toi, ou je ne sais pas, mais bon, tu penses peut-être à envisager de partir et ce sera sans retour. Là, avec la guillotine, tu penses vraiment à partir, ou bien on va t'annoncer que c'est terminé et tu vas pouvoir négocier tout ça. Avec la négociation, c'est très bon, puisqu'il n'y a pas de carte négative. Là, ça va être bon pour toi. Il y a quelque chose qui va se faire, tu vas devoir quitter l'endroit où tu es, certainement. Voilà. Ou bien c'est toi qui décides de partir et de négocier aussi ton départ. Dans tous les cas, il y a du changement dans l'air pour toi actuellement. Bon, ça tombe bien, tu es un signe d'air, il faut que ça bouge pour toi là. Donc, ça tombe bien. Ensuite, au niveau de la maison, de la vie quotidienne, maintenant ça bouge chez vous les Gémeaux aujourd'hui. Donc là, nous avons le château, la séparation et les nouvelles. Donc ça peut être là que tu vas quitter la maison, peut-être la vendre, peut-être partir. Hein. Donc on voit que là, la séparation, ça bouge. Hein. Quitter le logement, enfin ça va vraiment, vraiment bouger entre le travail. Et donc ça peut se suivre. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est sûr. Mais là, il y a vraiment trois cartes qui indiquent que vous voulez vraiment bouger quand même, hein, séparation, donc ou se séparer aussi d'une personne avec qui vous vivez, mais là ça bouge vraiment, donc vous quittez un endroit, c'est sûr. Ensuite, pour les sentiments, nous avons la paresse, le bateau et le donjon. Donc là, pour ceux qui sont en couple, avec la paresse et le bateau, et le donjon, il y a quelque chose qui est enfermé, renfermé, on ne se parle pas trop. Avec donjon paresse, c'est un couple qui ne se parle plus trop, qui bouge plus trop, un peu pépère. Hein. C'est quand même pas terrible. Et le bateau, il va peut-être vous apporter un petit peu de vagues. Hein. Donc, je pense que le bateau va vous faire un petit peu bouger. Il faudrait d'ailleurs, parce que donjon et paresse, on s'enterre un petit peu dans son trou là, c'est pas très bon pour les couples, hein. Il faut quand même aller voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Et pour les personnes actuellement qui recherchent quelqu'un, les Gémeaux, donjon, paresse, faudrait peut-être un petit peu bouger, ça va pas tomber du ciel, hein. On vous dit de bouger davantage, peut-être même voir sur l'étranger. Donc ça peut aussi là être une relation à distance, hein, avec le bateau, l'étranger, donc un couple qui vit à distance. Hein. Ça peut être ça. Et au bout d'un moment, avec la carte paresse, là, ça s'effrite un petit peu. Hein, on ne s'appelle plus trop, c'est loin des yeux, loin du cœur, ça pourrait dire aussi un petit peu ça. Des personnes qui se recoupent. Mais pour ceux qui ne le sont pas, bah, bougez un petit peu, ça ne va pas tomber tout seul. Voilà, peut-être sortez de vos jeux, de vos TikTok et tout ça. Ensuite, là, pour la surprise, nous avons le chien. Donc le chien, ça représente bien l'animal de compagnie, bien sûr. Et ça représente aussi un ami, une amitié, quelqu'un qui pourrait vous faire une surprise. Vous pourriez avoir une bonne surprise ou quelqu'un qui pourrait éventuellement être là pour vous aider au moment où vous auriez besoin. Donc voilà pour les Gémeaux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner
à TikTok, à Instagram et YouTube. C'est les trois pages sur lesquelles je suis. Merci, à plus tard. Bye bye.